Voilà, ça y est, c'est jeudi, tout le monde se réveille, bienvenue dans la classe de Sandrine. On va commencer par faire le calendrier pour regarder quel jour on est. Voilà, en fait, Fanny vous dit bonjour. Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti, je vous rapproche du calendrier. Alors, on a donc le calendrier d'avril. On descend, il y a eu des vacances. Les semaines de reprise. Et on arrive presque tout en bas. Hier, on était mercredi. Mercredi, il n'y a pas école. Donc, on le barre. On a quand même passé cette journée. Et on arrive enfin tout en bas, au dernier jour du calendrier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Isaïa. Bon anniversaire, Isaïa. Ça y est, tu as 6 ans. Bienvenue dans le monde des grands. Voilà, tout le monde te fait des gros bisous pour te... Oh, je crois que Fanny veut aussi te dire bon anniversaire. Bon anniversaire, Isaïa. Fais des bisous. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre aujourd'hui, à part le fait que ce soit l'anniversaire d'Isaïa? Eh bien, le calendrier est terminé. Ça veut dire qu'il se passe un changement de mois. Le mois prochain, c'est le mois de mai. Et le mois de mai, la bonne nouvelle, c'est qu'on va retourner à l'école. Donc là, je suis super contente de vous revoir enfin. On a une date, c'est le 11 mai. Et voilà, et donc je suis ravie de vous retrouver tous sur l'école. Demain, c'est le 1er mai, le premier jour du mois de mai. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Et personne ne travaille ce jour-là. Ni les enseignants, ni les enfants, ni les parents. Tout le monde reste à la maison. C'est comme ça d'habitude et ça ne change pas parce qu'on est confiné. La semaine d'après, le vendredi 8 aussi, il n'y aura pas école, c'est aussi un jour férié, donc il n'y aura pas de classe ce jour-là. Et le lundi, moi je serai à l'école avec les autres maîtresses, Marie et Géraldine, et puis vous reviendrez le 12, le mardi, le lendemain. Je vous montrerai le petit calendrier dès lundi pour vous montrer tout ça. Voilà, alors on va faire l'appel, comme d'habitude. Voilà, attention, c'est parti, allez, je fais de bas en haut. Valentin, Siem, Noémie, Léna, Isaïa, Ézéchiel, Audrey, Aïssatou, Youssef, Tabé, Noya Priel, Leïla, Josué, Gali, Clément, Alexis, Zaïd, Tia, Rofaïda, Lucille, Laurence, Imran, Emma, Alice et tout en bas, Fanny. Fanny, tu dis présente. Présent. Voilà, elle a dit présent. Alors aujourd'hui, comme le mois est terminé, on va compter les jours puisqu'on en a 30 et donc on va pouvoir compter jusqu'à 30. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On finit dans le jour d'anniversaire d'Isaïa. Et donc c'est le 30, c'est le dernier jour du mois d'avril. Alors, pour commencer, je vais vous montrer une petite comptine que je vais enregistrer, que je mettrai sur Classroom comme d'habitude. Ça s'appelle Renard le Vantard. Elle n'est pas facile à apprendre. Il faudra bien l'écouter plusieurs fois. Elle est assez longue. Et du coup, ben voilà, il faut bien apprendre tranquillement. Elle est assez longue. Il faut l'écouter plein de fois jusqu'à ce que vous la sachiez bien. Je vous la dis. Renard le Vantard. J'ai mangé du rhinocéros. Je n'ai pas laissé un os, engouffré un hippopotame jusqu'au dernier gramme. Renard, renard, tu n'es qu'un vantard. J'ai goûté de l'éléphant, ça croquait sous la dent. J'ai visité trop de poulaillers que je ne mange plus de poulet. J'ai dégusté du kangourou, ça a vraiment bon goût. Englouti un tas de lapins entre deux tranches de pain. J'ai avalé une baleine. Je l'ai fini à grand-peine. Demain, je croquerai un lion, comme un petit saucisson.
Voilà, donc c'est une comptine sur le renard qui est un vantard. Être un vantard, ça veut dire qu'on on fait croire aux autres des choses, voilà, parce qu'on a une super envie ou des choses super à faire, et en fait on les fait pas, mais on fait comme si on les avait fait, et on se vante devant les autres de l'avoir fait. Et là le renard, voilà, il se vante devant les autres de l'avoir fait. Alors j'ai oublié de faire la météo, j'en profite parce que je vois que ça s'assombrit. Aujourd'hui, ce matin, il fait beau avec des nuages. Je pense que ça va être comme hier, il risque de pleuvoir dans la journée. On verra bien. À vous de voir l'après-midi si le temps a changé ou pas. Le travail. Alors pour aujourd'hui, il y a du travail assez compliqué. Je vais commencer d'abord par la frise de graphisme. Et puis la date. Donc je vais me mettre au tableau comme la dernière fois, c'était pas mal. Hop, je vais rapprocher un peu la caméra. Voilà. Sans que ça tombe. Et je vais vous écrire la date. On est donc jeudi. Le J, ça commence par un trait penché. Et ça descend, c'est comme le P. Ou comme le 1. Et arrivé ici, on rentre à l'intérieur et on fait la boucle. Le J. Petite boucle. Et 1. Et 2, c'est le U. J'ai écrit je. Je vais faire le D. Comme d'habitude, la coupe, grand étréci, petit étréci et le point. On est le 30. Le 30, ça commence par un 3. 30, 3. Donc on va faire un 3. Et 1 et 2, ça rebondit. Et on rajoute le 0. Le 0, c'est comme on commence en haut et on finit en haut. Avril, la coupe. L'étrécy, la vague. Je monte, je descends, je remonte. La petite boucle en arrière, le trait tout droit. Je remonte d'un étage, c'est le R. Petit étrécy et la grande boucle. Je me suis un peu collée en haut, du coup ma boucle est un peu petite. Ça c'est la date. Oh, j'ai oublié de faire descendre mon passager. Vous ne l'avez pas dit. J'ai oublié le passager sur le J. Le graphisme cette semaine. D'abord, je commence par ce qui est en noir. Donc, je vais vous le mettre. Donc, on commence par faire des vagues. Une grande vague. Une petite vague. D'ailleurs, c'est un pont, je dis n'importe quoi. Et un grand pont. Et je m'arrête. Un grand pont. Un petit pont. Et un grand pont. Ce ne sont pas des vagues, hein, je dis n'importe quoi. Ensuite, il y a une spirale. Et ça, je le recommence plein de fois jusqu'à la fin de ma bande. Une fois que j'ai fini et ça, vous pouvez aussi changer de couleur, hein, il n'y a pas de souci si vous avez de quoi changer de couleur. Je vais rajouter le reste du graphisme. Dans chaque grand pont, je vais mettre un rond. Et à l'intérieur de ce rond, je vais mettre un point qui va faire comme des yeux. Et puis en dessous, j'ai l'impression que c'est son nez à ce personnage. Je vais rajouter... Et puis ça, c'est comme un coquillage, et à l'intérieur de ce coquillage, il y a des croix. Que je vais mettre à l'intérieur pour décorer la coquille. Donc, c'est comme une corne magique, avec de la poudre de perlimpinpin qui sort de la corne magique. Alors, sérieusement, après avoir fait la frise de graphisme, c'est pour vous entraîner évidemment à toujours maîtriser bien votre outil pour travailler, pour écrire. Voici le travail qui s'appelle les lettres des animaux. Alors, c'est une petite feuille. Voilà, une petite feuille. Avec sur cette feuille des animaux. Donc là, on a une girafe. À côté, on a une mouche. Ici, on a une méduse. Ici, un phoque. Ici, une langouste. C'est une sorte de crabe avec des énormes pinces. Une grosse crevette avec des pinces. Une langouste. Et enfin, le crocodile. Vous avez les petits dessins pour vous aider. En écriture très épaisse, ici, vous avez l'écriture en attaché. Et il est écrit le nom des animaux qui sont dans la case. Girafe, mouche, méduse, phoque, langouste et crocodile. Alors là, il va falloir que vous ressortiez votre feuille où il y avait des ronds
partout, et où vous avez collé les lettres en attaché à côté de la lettre écrite en bâton. Cette feuille-là, elle va vous aider. Elle va vous aider à retrouver les lettres des mots qui sont écrits sur cette feuille-là. Le mot girafe, il est écrit en attaché et vous devez chercher au-dessus les lettres en bâton. Alors pour ça, il faut reconnaître les lettres qui sont en attaché. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de votre autre feuille pour vous aider. La première, je la reconnais, moi, parce que je la connais bien, celle-ci, c'est la lettre de Gali. C'est le G. Donc le G, je cherche au-dessus où est-ce qu'il est écrit. Hop, quand je l'ai, je l'entoure. J'entoure la lettre G. Après, il y a cette lettre-là avec le point dessus, c'est le I. Je cherche le I. Ah, il est là, je l'entoure. Cette lettre-là, on l'écrit tous les jours. On ne voit pas la petite boucle en arrière, c'est le R. Elle est juste au-dessus, écrit en bâton. Je l'entoure. Après, il y a cette lettre-là qu'on connaît bien, c'est le A, comme Alice. Et dans donc, le A, je cherche le A, hop, je l'entoure. Cette lettre qui monte et qui descend, elle fait les deux, c'est la seule de l'alphabet qui monte et qui descend, c'est la lettre F. Elle fait F, comme dans Fanny, et je l'ai ici. Et la dernière, c'est la petite boucle, vous la connaissez très bien, c'est la lettre E, je l'entoure, elle est ici. Voilà, vous devez faire ça pour chacun des animaux, retrouver les lettres en bâton. Aidez-vous évidemment de la grande feuille avec les ronds, ça va vous aider beaucoup. Et puis vous pouvez évidemment colorier des petits dessins au crayon de couleur ou au feutre quand vous avez terminé de retrouver les lettres. Hein, le travail c'est d'abord de... Écrivez bien votre prénom, surtout en attaché si vous le savez le faire, sur cette feuille de travail pour que je puisse la coller après dans votre cahier. Ensuite il va y avoir des mathématiques. Alors, j'ai inventé une petite histoire qu'il va falloir fabriquer. Vous allez prendre une feuille blanche. Et sur cette feuille blanche, vous allez me faire 4 rectangles. Alors, mes rectangles, vous voyez, ils n'ont pas tous la même taille. Hein. Je les ai tracés toutes seules. Je ne les ai pas fait trop petits, je les ai fait assez grands parce que dans ces rectangles, il va falloir dessiner plusieurs choses. Donc, il faut de la place. Donc, vous dessinez 4 rectangles. Vous pouvez mettre 4 rectangles comme ça aussi. Hein. Ça ne change rien, qu'elles soient debout ou qu'elles soient couchées. De toute manière, ça reste 4 rectangles. Et puis, dans ces rectangles, il va falloir dessiner des choses. Alors le premier rectangle, celui qui est là, je voudrais que vous me dessiniez 13 caramels. Donc 13 caramels. Sur la feuille que j'ai envoyée par mail à vos parents, il y a un petit dessin pour vous aider. 13 caramels. À côté, je voudrais 11 dragibus. En bas, la troisième case, je voudrais 14 sucettes. Et dans la dernière, je voudrais 15 réglisses. Je vous l'ai dessiné sur l'ardoise. Donc, des caramels. Alors, moi, les caramels, je les ferai comme ça. Parce que vous voyez, vous avez encore. Les caramels, je les ferai comme ça. Un rectangle. Avec un petit papier. Un caramel. Les dragibus. Facile. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des sucettes. Pareil, un bâton. C'est une sucette. Et puis des réglisses. Les réglisses, c'est des bonbons tout noirs qui sont en cercle comme ça. D'accord? On dit du zan aussi, mais on va appeler ça des réglisses. Alors, je vous répète, il en faut 13 caramels, 11 dragibus, 14 sucettes et 15 réglisses. Quand vous avez fini ce dessin, vous allez écrire ces nombres-là. 13, 11, 14 et 15. Alors, vous pouvez les écrire avec un petit rond à l'intérieur pour bien voir qu'on a écrit le nom, ou bien à côté en faisant un petit carré et vous écrivez le nombre dedans. Et puis ensuite, il y a un problème. C'est l'anniversaire d'Isaïa et il a décidé d'inviter, que j'y sois de bêtise, 12 camarades. Il a décidé d'inviter 12 camarades à son anniversaire. Il veut donner un bonbon de chaque à ses copains qu'il a invités. Est-ce qu'il aura assez de bonbons pour que tous ses camarades, ses 12 camarades qui viennent à son anniversaire, puissent repartir avec chacun un bonbon de chaque? Un caramel, une sucette, un dragibus et un réglisse. La feuille va vous aider. Cherchez tout seul, ne demandez pas la réponse à vos parents. Et puis vous montrerez et vous m'expliquerez ce qui se passe. Est-ce qu'ils peuvent tous partir avec ou pas? Et pourquoi ils ne peuvent pas partir avec ou pourquoi ils n'ont pu partir avec? Voilà, je vous retrouve plus tard. J'ai une petite vidéo de prévu cet après-midi.